Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure avec l'épisode 15 sur Horizon Forbidden West. Toujours accompagné d'Aloy. N'oubliez pas, un sublime like et un sublime commentaire. Ça soutient, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis voilà, je vous aime, sachez-le. Donc, merci à tous ceux qui prendront le temps de perdre un peu de temps. Mais bah, de faire plaisir, voilà, parce que c'est ça le plaisir d'offrir aussi, c'est faire des choses qui ne coûtent pas grand chose, mais qui donnent pourtant le sourire. Et ça c'est beau! Allez, on est parti les amis, direction la quête principale. J'ai découpé un abri, assez insane. Par contre, c'est bien de découvrir. C'est quoi ça? Des capsules nocives. Attendez. On va passer tout là-haut, non? Ça me paraît pas mal. Qu'en pensez-vous? J'en pense que c'est une bonne idée. Eh, je me réponds tout seul. Oh, l'exploration dans ce jeu. Oh, putain, par contre, le ciel, toujours aussi beau. J'ai souvenir que j'avais déjà dit ça dans Horizon 1, en mode le ciel était sublime. Ok. Non, c'est toujours là-haut. Très bien, bah écoutez. Hop, on va aller check. On va aller check sur un malentendu. Là. Qu'est-ce que c'est, des bondisseurs? Des bondisseurs, frère, c'est quoi ça? What the fuck, les amis? Qu'est-ce que c'est? C'est moi, c'est David Lafarge, tu m'as pas reconnu? Ok. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Mais si j'ai bien compris, je dois aller tout là-haut. Allez, go. Go, on va utiliser cette petite patoune là qui traîne. Vous pouvez aveugler les ennemis avec les bombes fumigènes pour... Évidemment. On dirait que les coordonnées fournies par Silence Man à cette épave. Il aurait installé Hadès sur un autre titan. Quoi? Il a pas fait ça. Il a pas fait ça, The Abruti. Le feu pourrait me rendre service. Qu'est-ce que je suis censé faire, mon ref? Putain de merde. Attends, mais quoi? Attends, mais ça marche dans l'eau calme, cette connerie-là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mon dieu, j'ai peur. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? C'est effrayant ça. Mais mon arc ne va pas là-bas. Ok. Un poisson, frère. On va pouvoir capturer du poiscaille. Je vois pas, gros. Je vous le dis, je vois pas. Ok. Une surface à explorer. Je me demande ce que je vais trouver. Qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce qui va se passer, bordel, ici? Foncer. Très bien. Des tunneliers. On n'y est toujours pas là, la quête? Mais non, qu'est-ce que je branle là, moi? Attendez, mais je me suis perdu, c'est tellement... Il y a... Waouh. Tellement de choses à explorer et tout que... Je sais même plus où j'habite, je sais même plus comment je m'appelle. Désolé, mon ref.
Oh, des petites maisons tard l'époque. Ok, on a un feu de camp par là-haut. La vache. Tellement de choses à faire. J'y suis. Waouh. Ce sont les coordonnées que j'ai scannées sur la flèche. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Sous un Horus mort. C'est pile le genre d'endroit où je m'attends à trouver Silence. Mais qu'est-ce qu'il faisait ici ? Ok. Donc Silence est passé par là. Ah bah attendez. Pauvre Hadès. Tu es tout à l'étroit. Pas de place pour penser. Tu ne peux même pas parler. Alors que l'orbe de traitement d'un titan, en revanche, tu connais déjà. Une fois que je t'y aurai. C'est dommage que ça ait raté. Ok, c'est vraiment dommage. Une sorte de jour. Allez, lisez jour 1, jour 2, jour 5. C'est un journal qui a été posé sûrement par le frérot. Je vous laisse mettre pause à chaque fois. J'ai extrait les techniques fascinantes sur la structure de Gaïa. Ah oui, d'accord. Bon, il est comme ça, lui. Il laisse un journal intime ici, le ref. Ok. Je vous laisse mettre pause un à chaque fois. Hop, je vous fais jour par jour. À ce propos, Aloy n'est toujours pas retourné à Méridian et n'a pas découvert mon plan, mais ça viendra. Ce n'est qu'une question de temps, et alors toutes les pièces seront en place. Mal. Ah. Une grande partie est censurée. Embêtant. C'est embêtant. Ah, il me manquait ça. Let's go. Plus de carquois de flèches. Et ben voilà. Je dirais que Silence s'était forcé de faire parler Hadès. C'est pas beaucoup en plus, hein, en vrai. Hein. C'est vraiment pas beaucoup en plus. Hein. Hop, ça on prend. Rien à péter. Allez, go. Bon! Écoutez, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Je pense qu'on peut actionner le bordel. Allez, go. Cet appareil clignote. Je suppose que Silence veut que je le regarde. Allez. Aloy. Vois ce message comme une balise qui te guidera hors du brouillard de l'ignorance. À l'aide d'explosifs, j'ai détaché l'orbe de traitement du titan au-dessus. C'est une cage parfaite pour notre ami mutuel Hadès, afin de le rendre coopératif. Dis-lui ce dont on a parlé au sujet du mystérieux signal qui t'a donné vie. Tu radotes, tu ne crois pas? Il faut peut-être te rappeler que tu as échoué. Alors, tu vois, Aloy, Gaïa peut être relancée. Quant à l'emplacement d'une copie, eh bien, tu vas devoir me suivre pour en savoir plus. Il est persuadé qu'il a tout compris. Pourriture. Mais je suppose qu'il n'y a qu'une manière de savoir où il a mis l'orbe. Ok. C'est hyper intéressant, par contre. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ce jeu est beaucoup trop stylé ? Aux portes de la mort. Attendez, parce que là, le doute m'habite. Je ferais mieux pas y toucher pour l'instant. Une sorte de cristal rouge. Ok. Escroissance hybridée cristalline et fongique d'origine inconnue invulnérable. Aux impacts, un équipement spécial est nécessaire pour l'éliminer. Un équipement spécial. C'est très 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 embêtant. Hop, encore une petite save rapide. Et là, c'est le journal qu'on avait déjà lu. Ok. Bon bah on continue. Suivre les traces. Let's go. Je ferais bien de voir où cette piste me mène. Ok, ça nous mène à gauche. Ça nous mène même plus loin. C'est quoi ce merdier? Oh! Impossible que je l'ai d'ici, vous voyez? Attendez, pardon, excusez-moi. Oh merde, il est parti. Il est parti de mon rayon d'action. Ok. Et pourtant, ils me disent que non. Suivez les traces de l'orbe. C'est plus par ici.
Très bien. Ah, c'est ça l'orbe. Ah ouais. Ok, faut suivre ce gros truc là. Voilà où j'en suis. Je suis les traces de Silence comme une idiote. Alors qu'il m'a utilisé en trafic en Silence pour voler Hadès. Une IA démente qui veut détruire la vie. Ça aurait été bien trop simple de me laisser la détruire. Et maintenant je vais encore devoir encaisser ses commentaires moralisateurs. Ok. Ah, ça sent bien. Je ne pas d'en manquer. Ouais, mais non, mais frère, vous êtes des abuseurs aussi. Bon. Point faible, feu, électricité. Et ça résiste au gel. Nickel, j'ai ni de feu ni d'électricité. Quoique. Attendez. Bah alors, bibiche, je vais te casser la gueule si facilement. Ah ! Mort. Mort, 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 et tu ne feras rien. Ok. Il m'en reste deux. Pile de débris de pillard. Ok. Ah bah ça, c'est embêtant, ça. Une petite lumière verte, on sait pas trop quoi en faire de ça pour l'instant. On peut toujours compter sur les charrettes noires pour se trouver pour eux. Ok. C'est embêtant. C'est embêtant. Wow, ça, c'est encore plus embêtant. C'est quoi ça? Tu l'as eu où ce pouvoir, mon ref? Tu grandis? Hop, 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 les gars, calme. Hop, 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 les gars, on se calme. Oh là là. Wesh. Vous avez ça depuis quand, les gars? C'est ça votre problème à vous? Oh non. Bien joué. Terrible ça, hein. Ok. C'est pas vrai. Il fait quoi, lui? Il avait une réaction très chelou. C'est embêtant. Ça, c'est encore plus embêtant. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Oh putain, attendez. Et voilà le travail. Allez, mort. Mort, mort, mort. Bon. On va se recrafter des soins. Fouh. Ok. Assez terrible là ce qui vient de se passer. Hein. Ça, c'est un problème, ça, hein, les charognards. Hein. Bon. On va réussir à survivre. Vous avez vu, la machine, elle s'est arrêtée pour schniffer son pote, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je veux en savoir plus. Je veux clairement en savoir plus. Je trouve cela très, très, très suspect. Et dans suspect, hein, hein.
compris. Allez, on va même prendre ça. Mon frérot. Hop, voilà, on va fouiller tout ça. Parfait. Et ben voilà. Allez, on continue. À l'aventure, compagnon. On est bon. On est bon. C'est vrai que j'aurais pu mettre. Certain d'avoir trouvé une copie de secours de Gaïa, mais comment? Je ne sais pas, Aloy. Chaque fois que j'ai fouillé chaque piste, c'était toujours un échec. Toutes les copies ont été effacées. Alors qu'est-ce qu'Adassi a dit? Qu'est-ce que c'est que ça encore, putain de merde. C'est pas vrai, on sera jamais tranquille, hein. Pourquoi elle fait ça, wesh? Mais cailloux ne font pas autant effet que ce que je pensais. Incroyable. Hop, la petite triplette, mon pote. Ça, tu verras ça que dans des films de cul, d'accord? Ou alors à la maison. Je te le dis. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Sugoi. Ça, je veux ça, hein. Ah, bah ouais, il me manque un pouvoir. Je m'attendais pas à trouver des gens ici. Il me manque un pouvoir. Ok, lui, il va m'apprendre des trucs. Tu sais même pas d'où il vient, le man. Qu'est-ce qu'une Nora fait aussi loin dans l'ouest? Ah, oublie. Je peux t'équiper pour aller dans les terres sauvages, si tu veux. Ok. Bizarre, ce mec. T'es qui? Tu sors d'où, toi, mon ref? Arc. Oh. Attends, comparer, peut-être. Comparer. 8, d'accord. Gel et poison. Avec une bobine, un emplacement de bobine. Et des atouts. Vitesse de dégainement. Ça me paraît pas mal, ça, hein. On lui prend au frérot, là? En vrai de vrai? Et il a une tenue aussi, putain, incroyable. Incroyable. Il a des trucs de ouf, le man. Attends, parce qu'en vrai, son histoire de tenue, concentration, régénération d'endurance... Génération de concentration, distance furtive, 10, 23, 14, ok, résistance, 8, 13, moins 20, par contre je suis sensible, et j'aime pas être sensible mon pote, Sentinelle Nora, Bon écoutez, on va prendre ça, parce que quoi qu'il arrive c'est cool, quantité achetée, une, très bien. Et par la même occasion, regardez ce qu'on va pouvoir faire. On va sortir mon inventaire, ceci. On va faire modifier les bobines. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre de plus? Augmente les dégâts infligés en utilisant surcharge. Et sinon, augmente la charge et les dégâts de gel. Incroyable. Je préfère augmenter l'acide, en fait. Voilà, ça dégage. Go. Donc si j'ai bien compris, je ferai des dégâts de gel. Ok. On verra. Ça peut être intéressant. Attends, parce qu'on s'éloigne de ouf. Il y avait une quête ici, mon ref. Ok, site de bondisseur. Très bien. On a toujours pas fait de creuset. Ah bah voilà, je cherchais. La piste continue dans la colline. Oh les problèmes. Attends, plante médicinale, ça il me faut bichette, hein. Ça aussi là, tout ça là, hein.
Tout ça, il faut parce que je sais pas à quoi nous attendre. Allez. Voilà. J'ai de quoi me refaire 12 médics et ça s'arrête là. Hein. Donc attention. Hein. Attention comme tout peut aller vite malheureusement. Hein. Ok. Une boue explosive, je ne sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que je peux améliorer? D'accord. D'accord, j'ai des armes, mais rien de bien foufou. Dommage. Et là, je peux améliorer ça. Et ça, c'est cool. Qu'est-ce que ça me demande pour améliorer? Oh, en vrai, ça va, faisable de ouf, hein. Let's go, hein. Faisable de ouf. Et là, ça m'améliore quoi? Allez. J'ai compris le jeu, les potes. On y va. Des ruines. D'accord. Voyons. Pardon. Petit bug de lumière. Ça a dû se servir de cette machine pour tracter son joujou. Oh, les problèmes. Ça doit être l'orbe dans lequel Silence a foué Hades. Et cette porte. On dirait un bâtiment de Pharo. Ou d'Aube Zéro. Silence t'a demandé où trouver une copie de Gaïa. Erreur donnée erronée, structure de mémoire désintégrée. Bien sûr, ça aurait été trop simple. Qu'est-ce que Silence t'a fait, Hades? C'est comme si... t'avais vidé. Silence m'a interrogé. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Erreur donnée erronée, structure de mémoire désintégrée. Tu ne te souviens de rien? Je me souviens de toi. Quoi, quand je t'ai battu à la flèche? Bon, ça ne mènera nulle part. Ouh, c'est hyper intéressant. Tu sais où est allé Silence? C'est pas plus que moi. Génial. Quand le signal mystérieux t'a transformé, il a rendu les autres fonctions subordonnées de Gaïa conscientes. Tu as fui quand Gaïa s'est autodétruite, mais elles aussi. Où sont-elles allées? Chaque fonction a migré vers des coordonnées basées sur... Tadia démente, éparpillée on ne sait où pour faire on ne sait quoi. Héphaïstos fait des milliers de victimes chaque année avec les machines de combat qu'il fabrique. Et tu as failli détruire le monde. Cette autre fonction en liberté qui complote, ça sent pas bon. Tu n'es pas contente. Tant mieux.
t'a déjà dit que tu avais une personnalité géniale, Hadès. Sarcasme détecté. Oui, je m'en doutais. Tu sais pourquoi Silence t'a amené jusqu'à ces ruines ? Silence avait prévu que tu me trouves ici même. Évidemment. Pourquoi ? C'était quoi cet endroit ? Ce lieu était le... Mais tu... Je suppose que je comprendrai à l'intérieur. Silence t'a interrogé au sujet du signal mystérieux. Celui qui t'a réveillé, t'a donné une conscience. Qui l'a envoyé ? Signal transmis par les maîtres. Qui sont les maîtres ? Les maîtres m'ont réveillé pour détruire toute vie sur Terre. Erreur de erronée, structure de mémoire désintégrée. Ça suffit. Il est temps d'en finir. Aloy y croit. Alors tu te trompes. Extinction inévitable. Qu'est-ce que t'en sais, Hadès ? T'as essayé deux fois de détruire la vie terrestre et t'as échoué. La seule extinction que tu as provoquée, c'est la tienne. Et il n'y a pas de lance trafiquée pour te sauver cette fois. C'est inexact. Trois fois, Hadès a détruit la vie. Tu te souviens de ça ? Oui, données intactes, biosphère non viable, annihilée, en l'an 2154, 2161, 2168. Et alors ? C'était il y a des siècles. C'est pour ça que tu as été conçu. La biosphère actuelle est la version 5. Il n'y aura aucune version 6. Ce ne sera pas nécessaire. Je sauverai celle-ci. Système de sécurité en place. Pour l'activer, précisez nom et grade. Elisabeth Sobek, grade Alpha. Système de sécurité activé. Protocole d'extinction en marche. Aloy, je vois que tu t'es occupé d'Hadès. Oui. Tu crois qu'il va rester mort cette fois ? Mais oui. Tu peux me faire... Confiance ? Oui. Confiance. Tu vois, j'ai fait ce dont tu as été incapable. J'ai extrait le savoir inestimable d'Hadès. Fais-moi confiance, j'étais prêt à te laisser le détruire réellement cette fois. On en revient aux hologrammes, fini le face-à-face ? Tu as peur que je te poignarde, c'est ça ? Il y a une raison qui... Il y a le même logiciel espion, je vois. Donc, à chaque fois que j'ai appelé, tu aurais pu répondre. Mais tu préférais continuer de m'espionner pendant tout ce temps. Mon monde ne tourne plus autour de toi depuis des mois, Aloy. J'ai beaucoup de travail. Des heures de recherche. Aussi complexe et chronophage que primordial pour le destin de la planète. Ah oui, bien sûr. Tu essaies aussi de sauver le monde. C'est exact. La différence, c'est que contrairement à toi, moi, j'obtiens des résultats. Est-ce que tu as trouvé une copie de Gaïa ? Oh oui. Je crois que oui. Où ça ? Mais ici. Pourquoi tu crois que je t'ai fait venir, sinon ?
Derrière cette trappe à verrouillage génétique se trouvent les ruines où le protocole d'extinction d'Hadès a été finalisé. Le processus de test a fait des centaines d'essais, dont chacun utilisait une copie de Gaïa. C'est Hadès qui te l'a dit ? Bien sûr, j'ai dû insister. Mais oui. Donc, est-ce que tu es prête à obtenir ce que tu cherches depuis maintenant 6 mois ? Ou est-ce que tu vas juste rester planté là, la bouche ouverte ? T'as dit que tu n'avais pas chômé. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais tu as quand même pris le temps d'apprendre aux rebelles Ténac à pirater des machines pour les monter. Aloy, la seule chose dont tu devrais t'occuper, c'est d'obtenir une copie de Gaïa. Peut-être que si tu te concentrais plus, tu obtiendrais des résultats. Je note que tu ne nies pas, Silence. Prends ça comme tu veux. Juste pour être sûr, Hadès t'a dit qu'il y a des copies de Gaïa là-dedans. Oui. Il y en avait, en tout cas. Il y a un millénaire. Des copies qui n'ont pas été effacées quand Ted Faro a supprimé toutes les copies d'Apollon. C'est ça. D'après Hadès, ce site n'était pas accessible par un signal distant. Même Ted Faro ne pouvait accéder à ces données. Des copies. Des copies complètes de Gaïa et de ses fonctions subordonnées. Tout ce qu'il faut pour relancer le système. Rétablir le contrôle de la terraformation, sauver la vie sur Terre. Là-dedans ? C'est ce qu'a dit Hadès. Alors qu'est-ce que tu attends ? Est-ce qu'Hadès a révélé la source du signal mystérieux ? Celui qui l'a réveillé et tenté d'anéantir la Terre. Oui, en effet. Je peux savoir ? Tu le sauras. Mais pas tout de suite, Aloy. Aux dernières nouvelles, tu avais une IA super intelligente appelée Gaïa à réinitialiser. Oui. La Gaïa qui a dû s'autodétruire il y a 20 ans à cause de ce signal. La transmission s'est arrêtée il y a des années. Ce n'est plus une menace. Et s'il recommence ? Impossible. Et quand bien même il... Les détails sont compliqués, mais le signal nécessitait Hadès pour agir. Si tu supprimes Hadès de la copie réinitialisée, Gaïa ne craindra rien. Alors arrête de perdre du temps. Et va trouver une copie. D'accord. Je vais fouiller le site pour trouver une copie. Mais soyons clairs, Silence. Si c'est encore une de tes manigances... C'est un verrouillage génétique, Aloy. Tu es littéralement la seule sur cette planète à pouvoir l'ouvrir. Comment aurais-je pu y mettre un piège ? Si tu me trompes encore, Silence, notre prochaine conversation sera en face à face. Mais tu n'auras pas grand-chose à dire, puisque ma lance sera plantée dans ta gorge. Aloy, grâce à moi, tout ce que tu désires, tout ce que tu cherches depuis 6 mois sans réussir à mettre la main dessus est désormais à ta portée. Bon, je sais que tu ne connais pas grand-chose à la politesse en tant que paria d'Enora, mais dans ce genre de situation, il te faut dire merci et je te répondrai « je t'en prie ». On a appris énormément de choses, c'est insane. Et en plus de cela, on est donc la 5e version de la biosphère, donc de cette humanité-là. La première était celle qui s'est éteinte à l'époque de la fin du monde. Puis il y a eu 3 autres versions entre-temps que Hadès a réussi à tuer, le début de l'humanité. Et on est donc la 5e. Hadès a malheureusement échoué face à moi. Et Silence cache quelque chose, mais évidemment il va pas nous le dire, sinon ce serait déjà la fin du jeu, ce serait beaucoup trop facile. Bref, c'était incroyable cet épisode, j'ai trop kiffé. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bisous tout le monde, ciao ciao. Et nous on se casse, on va save. Où est-ce que tu crois aller ?